Jalsa Mubarako, Cairo Mubarako. Jalsa Mubarako, Nuru Mubarako. Jalsa Mubarako, Cairo Mubarako. Jalsa Mubarako. Nuru Mubarako. Jalsa Mubarako. Hassam, ayin lam nalat. Cairo Mubarako. Jalsa Mubarako. Nuru Mubarako. Kusham dide. Ahlan wa sahlan. Jalsa Mubarako, Cairo Mubarako. Jalsa Mubarako, Nuru Mubarako. Allahu ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, la jalsa salana. Côte d'Ivoire 2022, enfin, nous y sommes. Que pourrait-on dire si ce n'est que Alhamdulillah Rabbil Alamin? Nous allons rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis à ce que vous et moi nous soyons présents ce jour-là pour répondre à l'appel du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre également à l'appel du Messie premier alayhi salam à l'occasion donc de cette Jalsa Salana 2022. Pour la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire. Encore une fois, nous rendons grâce à Allah de nous avoir permis de voir ce jour. Nous y sommes enfin, et nous sommes également en plein pied, et nous sommes à la session inaugurale. Cette session qui démarre, qui j'allais dire, a démarré avec le salut aux couleurs, suivi de la prière silencieuse. Alors, la suite donc de ce programme sera ainsi. Il est déjà important de noter que cette session inaugurale est présidée par le premier responsable de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, j'ai nommé ici Amir Saheb Abdul Karim Pacha. Il est le président donc de la session inaugurale. Alors la session va se dérouler comme suite. Nous aurons la lecture du Saint-Coran par le missionnaire Itsam Hassan. Ensuite, il y aura la traduction en français par notre secrétaire général du Majus Ansarullah, M. Kone Nusombier. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le démarrage effectif des travaux. Amir Saheb. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité, afin qu'il la fasse prévaloir sur toutes les autres religions. Et Allah suffit comme témoin. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont fermes devant les mécréants et tendres entre eux-mêmes. Tu les vois s'incliner et se prosterner dans la prière, recherchant quelques munificences de la part d'Allah et son plaisir. Ils ont les visages marqués par les traces de leur prosternation. Tel est leur signalement dans la Torah. Et dans l'Évangile, ils sont comparés à une semence qui germe, puis rend forte la jeune pousse, ensuite elle grossit et se tient ferme sur sa propre tige, faisant la joie des semeurs, afin qu'ils fassent bouillir de rage les mécréants à cause d'eux. Allah a promis à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres le pardon et une très grande récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala hadratuhu alayhi salatu wa salam. Hadhihi al-qasidat aniqatun rashiqatun mamlu'atun min al-lata'if al-adabiyya wal-fara'id al-ghabiyya fi madhi sayyidi wa sayyidu al-saqalain qatam al-nabiyyin محمد الذي وصفه الله في الكتاب المبين اللهم صل وسلم عليه الى يوم الدين سجوه كريم بزل قل تقى قرق وفا فالفتياني فاق الورى بكماله وجماله وجلاله
وجناني رياني لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونقبة الأعيان تمت عليه الصفات كل مزية قتمت به نامه كل الزمان والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسلطة سلطان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني بطل وحيد لا تتيش سهامه ذو مسميات موبق الشيطان هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بالزمان والطل قد يبدو أمام الوابل فالطل طل ليس كالتهتان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني قد مات عيسى متركا ونبينا حي وربه إنه وفاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Excellence, Honorable, Invite, Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La communauté musulmane Ahmadiyya de CIE RS de vous accueille aujourd'hui à l'occasion de sa 36e Jalsa Salana réunion annuelle. La communauté musulmane Ahmadiyya fut fondée le 23 mars 1889 à Qadian End par Hazrat Mirza Ghulam Ahmed. 1835-908 qui se proclama comme le Mujaddid réformateur du 14e siècle de l'Hégie, Imam al-Mahdi ou le Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam est né en 1835 et il a pris le premier béat en 1889 et ceux qui ont accepté le Messie promis à l'Islam à partir de 1901 ont donné le nom Ahmadiyya à la communauté. Après le Messie promis à l'Islam, il y a eu le système du Khilafat. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps du cinquième calife. Alhamdulillah.
parce qu'il a signé par Dieu que le livre m'a dit, par au-delà de 1937, à la fois de 1908. Mais à l'issue du 23 mars 1889, Amadias il a signé par 23 mars 1889. Imam Adi de Kaka Barake, à travers Fatou 1908. A Fatou Kofé, Kalfa Osgila, Anola. Fokra, c'est Kalfa Lournama. Donc, avec Kalfa Lourna, Kawatilla, Mibi Imam Adi Kabara Kotnila. Le verset 112 du chapitre 9 du Saint-Coran, dans lequel il est dit Attaïb, Unal Abid, Unal Hamid, Unal Sahi, Unal Raki, Unal Sajid, Unal Amir, Unabil Maroufe, Vanaha, Unanil Munkare. C'est qui vers Allah avec repentir, c'est qui l'adore, c'est qui le loue, c'est qui voyage dans le pays en le servant, c'est qui s'incline devant lui, c'est qui se prosterne en prière, c'est qui enjoint le bien et qui interdit le mal, et c'est qui respecte les limites fixées par Allah. Tous sont des vrais croyants et annoncent la bonne nouvelle aux croyants. Kolokoso kono aya barra kafo ko mugo mumbu ye majga la subhanahu wa ta'ala yi mubu ala subhanahu wa ta'ala batu mube sala subhanahu wa ta'ala nya mube sudi be ala yi mube ala re ka shado bela je ni krosi ko lu paye o jibaria kafo ko ni son diabo ye arina boye ala subhanahu wa ta'ala fe se verse mention ce qui place leur foi au-dessus de toute considération mondaine. Des personnes qui s'acquittent de leur devoir d'adorateur de la meilleure façon qui soit, étant des véritables croyants, ils se prosternent devant leur Seigneur en toute sincérité et pratiquent ce qu'ils prêchent. Nombre de personnes laissent de côté leur occupation mondaine et font de longs voyages pour être présents pour la Jalsa Salana afin de se ressourcer spirituellement. Les organisateurs de la Jalsa Salana font de leur mieux pour rendre leur séjour agréable. Et ceux qui ont en tête l'objectif réel de cette rencontre ne se soucient pas de leur confort. Ils consacrent leur attention à leur enrichissement spirituel. Si cet esprit anime tous les invités de la Jalsa, ils fermeront les yeux sur les lacunes dans l'organisation de cette réunion. A Kotiama, le voyage là, Kabo Kassou, Kanakrene Kaya, voilà ça, Kana Jalsa, Ke, Kalon Soro, Kado Foroka, Limanioka. Aham, Rombo, Bismilami, Barakalaoui, Hano, Katoro, Dosoro, Kabo, Barakalaoui, Ubaye Kafo, non, Amana Barakalao Kama. Cette réunion a un but hautement spirituel et les participants doivent s'évertuer à faire partie de ceux qui ont été décrits dans le verset précédent. Le Messie promis l'Islam s'occupait personnellement de tous ses invités, mais durant la Jalsa Salana, ils recevaient tous les mêmes traitements, ils mettaient l'emphase sur le but réel de cette rencontre. Acquérir plus de connaissances spirituelles, se purifier l'âme et se rapprocher de Dieu. Et ceux qui participent à la Jalsa Salana doivent utiliser leur temps à bon escient. Les rencontres entre amis ou parents ne doivent pas détourner les gens de leur objectif principal. Le croyant suit toujours la voie du milieu et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enjoint aux musulmans d'éviter les conversations futiles. Mohamed Jalsa Kenekan, Imam Adi Karakafo, Anana Ala Kulila, Anana Lori Roli, Anana Limanias Roli. Donc, il n'y a pas la Kula, il n'y a pas Limanias, il n'y a pas Lori Roli. Il va se rocafo, Machama, Sekao Dobe, Toro Dobe. Mais elle est aussi gâtée, elle n'a pas la communauté, ou hein, Olive Kaspabie, Kadofra, El Kalasinaka. Le
La relation entre un invité et son hôte doit engendrer de l'affection afin qu'ils puissent prier les uns pour les autres, qu'on se connaisse ou pas. On doit se salier avec la salutation de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Messie promis l'Islam nous explique que le progrès spirituel est le but même de la Jalsa, cette connaissance acquise ne doit pas se limiter à un plaisir intellectuel. Il faudra en faire un moyen pour progresser dans sa spiritualité et sa conduite. Sans progrès spirituel, la participation à la Jalsa est futée. La Jalsa Salana présente au monde les véritables valeurs de l'islam. C'est là un décret divin que le Messie promis l'islam a annoncé en des paroles claires. Il affirme : ne considérez pas cette Jalsa comme une simple rencontre organisée par des hommes, elle a pour but de soutenir la diffusion de la vérité et pour établir la gloire de l'islam dans le monde. Car le savoir que vont acquérir tous ceux qui y participeront apportera une révolution dans leur connaissance et leur conduite. Cette révolution dévoilera toute sa splendeur dans le monde et lui présentera la beauté des préceptes islamiques, prouvant que l'islam est la parfaite religion. Celle qui est supérieure aux autres, ses paroles s'accompliront, car cela ne dépendra pas des efforts humains. Ses œuvres seront aussi soutenues par Dieu. Donc, l'imam a dit qu'il y a comme si on a jalsa ni koto ke kliye jalsa ye alaka baralu mais dunya ni bara obedana jalsa na. Il faut se rappeler que la communauté établie par le Messie promis l'islam n'en est pas une ordinaire. La Jalsa Salana n'est pas une rencontre ordinaire. Un amdi n'est pas une personne ordinaire. Il porte sur ses épaules de lourdes responsabilités. Au fa abenya machoum la jalsa barabban santé ala baralu. Qu'Allah fasse que nous puissions conformer notre vie aux souhaits du Messie promis l'Islam, que nous puissions être récipiendaires des bénédictions de la Jalsa et que nous puissions être les héritiers des supplications que le Messie promis l'Islam a faites pour les participants à la Jalsa, à la fois pendant ces jours-ci, mais également par la suite. Que Allah nous permette continuellement de faire des actions pieuses. Amen. Amen. Kwa balos mana abaka kubala bani femi kwa balos matra dari kwa balos matra dari jalsa baraka abunya anyata aloni alimania oka di ambala jenima ko imam adi fraka dugomi do jalsa na bago ye ani mo mena ko se kata fe fe na jalsa la imam adi ka dugo do abei ika di mana sro imam le mana sro ika lo sro dugo be be ko dugo na fa ka di ambala jenima ala mukira assalamu alaikum rahmatullah.